Bonjour. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous donner la permission de ne pas utiliser le « ne » à l'oral pour une négation. Vous avez probablement appris que la négation en français, c'est deux mots. « Ne pas »,« ne plus », »,« ne rien », »,« ne personne », »,« ne que », »,« ne aucun », »,« whatever ». Ça, c'est à l'écrit, c'est en français standard, en français correct. C'est important de connaître cette forme, c'est la forme officielle, la forme standard. Mais à l'oral, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On n'utilise pas le « ne ». Là, vous entendez « on utilise », mais c'est une liaison avec le « n » de « on ». On n'utilise pas ça. Ça sonne pareil que si j'avais mis le « ne ». Tu peux dire « je fume pas ». Et si j'ai arrêté de fumer, je vais dire « je fume plus ». Donc, on prononce même pas le « e » de « je », mais ça, c'est une autre question. Mais « je fume pas »,« je fume pas », c'est normal. « Je ne fume pas », vous allez sonner super sophistiqué. Et dans un contexte informel, ben ça peut être un petit peu bizarre. Donc, je vous donne vraiment la permission de ne pas utiliser le « ne » à l'oral dans des contextes informels au niveau de langue courante. On l'utilise pas. Salut!